Des gens qui est porteur de foi. Et on sait que c'est pas évident la foi dans le monde où on vit aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure d'équilibre. Et je disais, s'il faudrait un équilibre dans la vie, il est dur, très dur, d'avoir un équilibre sans la foi. Certains, on peut chercher des bases, on peut chercher des pôles, à s'accrocher, si vous voulez, plus ou moins. Mais la foi est importante. Elle ramène toujours au divin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de croyants parmi nous, mais ceux qui sont croyants, levez la main. Ah, il y a beaucoup de croyants. Hein? Je crois que la foi n'est pas très loin de la plupart d'entre nous. Et puis, à des moments difficiles de notre vie, on en a tous un jour eu besoin. C'est triste, vous savez, comme la vie s'arrête quelquefois, et qu'après il n'y a plus rien. Alors pour ceux qui ont la foi, ben, ça continue. Et on ne peut pas empêcher ces gens de souffrir en disant « c'est fini ». Il y a un dicton qui dit « mangeons, buvons, réjouissons-nous, demain nous mourrons ». Mais c'est triste quand on passe par là. Mais quand on a la foi dans notre cœur, il y a une continuité, il y a de l'espoir, il y a un ciel, il y a un paradis. Alors ce soir, on est venu partager avec vous un peu notre foi, un peu de bonheur et un peu d'espoir. Hein. On va écouter mon frère Maël vous chanter un cœur. Si tu te trouves seul, inutile, incompris, dans ce monde pour lequel tu n'as que mépris, ton visage est triste et ton cœur est si vide, dans un monde où les gens te paraissent tous différents, tu voudrais t'échapper, ne plus rester comme ça. À combien tu voudrais de tes angoisses être libéré? Tu as besoin de quelqu'un qui te comprenne, mais sache que Jésus, il est le seul qui partage ta peine. Non, tu n'es pas seul, tu n'es pas incompris. Jésus te comprend, il sait ce que tu ressens. Il veut ôter la haine, mettre en toi l'amour. Il veut ôter la peine et mettre en toi sa joie. Parce qu'il est amour, il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il est lumière, il éclaire les coins sombres pour toi. Parce qu'il te connaît, lui seul sait où tu en es. Parce qu'il est puissant, lui seul peut te délivrer à son appel. Non, ne résistez plus à son appel. Dites oui à Jésus, car c'est aujourd'hui que toi tu peux devenir heureux, en disant oui à la voix du Fils de Dieu. Non, tu n'es pas seul, tu n'es pas incompris. Jésus te comprend, il sait ce que tu ressens. En toi sa joie, parce qu'il est amour, il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il est lumière, il éclaire les coins sombres pour toi. Parce qu'il te connaît, lui seul sait où tu en es. Parce qu'il est puissant, lui seul peut vous délivrer à son appel. Non, ne résistez plus son appel, dites oui à Jésus, car c'est aujourd'hui
que tu peux devenir heureux en disant oui à la voix du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu veut transformer ta vie. Le Fils de Dieu veut bouleverser ton cœur. Oh, laisse l'amour de Dieu désaltérer ton cœur. Laisse l'amour de Dieu désaltérer ton Je veux me consacrer.
tu connaissais le don de Dieu, c'est de redonner la vie à celui qui était mort, à celui qui est perdu, à celui qui est sans espoir. Je veux savoir tout de Jésus, savoir ce qu'il a fait, ça m'intéresse. Je veux le suivre, mais je veux savoir tout. Thank you.
Dans la vie, en comptant sur mes amis, j'étais fier, je savais où j'allais. J'étais sûr de mes idées, mes projets s'accomplissaient, je vivais bien heureux, mais trop loin de Dieu. Je croyais en mon destin, je croyais au lendemain, je croyais tenir ma vie dans mes mains.